14 h, un jeudi d'octobre. J'arrivais au Havre. Je ne connaissais personne. Et je l'ai vu, lui, Pierre. Je lui ai demandé mon chemin pour me guider dans cette nouvelle ville. Il a été gentil. Il m'a fait rire. J'étais heureuse. Tout allait bien. J'aime bien voir ce qui passe à la télé, là, c'est sympa. C'est quoi? Attends, ah, j'arrive. Ouais, j'arrive. Tu peux une bière, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Tiens, mon Pierrot. Merci. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, au fait, ton patron m'a appelé cet après-midi. C'était au sujet d'un gros contrat que tu devais signer. C'était un truc vachement important pour l'entreprise. Il avait l'air tout excité là-dessus. T'as fait à manger? Allô, maman, c'est moi. Oh, ça va pas. Il m'a enfermé dans l'appartement. Mais c'est Pierre. Il est parti, il m'a pas dit où il est allé. Il me dit jamais où il va. Non, je veux plus rester ici. Je crois qu'il me trompe. Y a quelqu'un? Allô? 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 Y a quelqu'un? Pierre. Ouais. Vas-y, non, parle-moi vite, c'est quoi cette histoire?
Non mais franchement, tu crois que j'ai le temps de t'écouter parler là? Mais non, mais ça doit être ta mère qui s'amuse, je sais pas, elle pète un câble. Ouais, bon, non, franchement, on va s'asseoir à la maison, là, j'ai pas le temps, j'ai pas trop envie. Non, bon, allez, salut. Tiens. Laissez-moi ça. On se marie samedi dans 2 semaines. De toute façon, j'ai tout prévu. C'est ce que tu voulais, non? Tu vois que c'est la bonne taille. Fashionably sensitive, but too cool.